Un bateau partit d'Angleterre pour traverser l'Atlantique. Le ciel était bleu, la mer était bleue, et les passagers étaient sur le pont pour regarder les dauphins et les poissons. La journée prit fin et la nuit tomba. Tout le monde restait dehors et contemplait les étoiles en discutant. Les vagues devenaient plus grosses, de plus en plus grosses. Une véritable tempête s'abattit sur le navire. Tonnerre et éclairs déchiraient le ciel. Un éclair de trop et le bateau coula. Les passagers se retrouvèrent au milieu des flots déchaînés, nageant comme des fous pour s'en sortir. Un poulpe géant s'invita à la fête. Il ailleurs aussi de là les membres de l'équipage. Quelques rescapés réussissent à échapper aux tentacules démoniaques. Ils nagèrent de toutes leurs forces pour rejoindre la terre ferme. Épuisés, ils échouèrent enfin sur une île inhabitée. En colère contre ce monstre qui avait avalé leurs amis, les naufragés se mirent en quête d'un terrain pour s'entraîner et mettre au point un plan pour l'ultime combat. Là, mais je fais là, caméra, je fais du oh my god, Charlie. Un long et difficile entraînement commença. Exercice physique intensif, gymnastique, abdominaux, course à pied, étirement, pompe. Le tout entrecoupé de réunions top secrètes. Fabrication d'armes, coups spéciaux à l'épée, duels et batailles rangées. Ils construisirent un bateau sur lequel flottait la voix des pirates. Ils étaient prêts. Ils allaient enfin se mesurer à l'horrible Docteur Poulpe. Pour attirer le monstre marin, les naufragés accrochèrent un appât géant à l'arrière du bateau et partirent sillonner les mers. Docteur Poulpe mordit à l'hameçon. L'heure du gros combat était venue. Une bataille sans merci se déroula sur le rivage de l'île. La furie du monstre se heurtait à la vengeance des trois naufragés. Docteur Poulpe finit par mourir aux nombreux coups d'épée de ses adversaires. Il était grand temps pour ces aventuriers de rentrer chez eux en Angleterre, où ils allaient enfin boire une tasse de thé.